total respect. Zéro limite. Radio libre. Radio libre. What the fuck. Tous les soirs dès 21h. Diffoulé sur Skyrock. Déjà dans la sensualité. Ah bah là, on y était à mort. Là, dans le cul et compagnie. Bah ouais. Bon allez, fantasme. C'est parti. On aura le fantasme de Cyril dans un instant. Le premier à venir témoigner. Cyril en direct de Limoges. D'ailleurs, on va le saluer. Salut Cyril. Salut. Ok. Salut Cyril. Salut Cyril. Eh bien, je ne sais pas quel va être le fantasme de Cyril, mais rien qu'avec sa voix, il fait flipper. Il est dans un donjon, dans un tombeau. Ce matin, dans le morning, en parlant de fantasme, on vous a présenté le type là qui demande aux filles de leur lécher les pieds. Ah oui, c'est ça, qui propose, je vous achète. Vincent. Je vous achète votre culotte ou votre collant. Les collants. Collant, culotte sale, il prend. Donc ça, c'est un de ses fantasmes à lui. Ouais. Il lèche les pieds des filles dans la rue. Ouais, c'est ça, pour 100 euros. Il leur file 100 euros, il leur lèche les pieds. Et là, qu'il explique, mais je suis gentil, je suis pas dingue, non, pas du tout. Mais déjà, il fait flipper. Mais il aborde des meufs dans la rue, comme ça, je peux vous lécher les pieds pour 100 euros. Ah, promis, je ne vous touche pas, je vous lèche juste les pieds. Bon, allez, on vient au fantasme de Cyril, notamment dans un instant. Et puis les vôtres aussi, n'hésitez pas à témoigner, vous avez vu, Marie s'est lâchée, Romano va tout nous expliquer dans un instant. Mais tout de suite, vous l'entendez, la musique de l'amour est derrière moi, c'est le clash de la drague. Allez. Le clash de la drague avec Cédric d'un côté. Tu as pris des forces ce week-end, Cédric. Tu as la pêche grave pour ce clash. Bah, tranquille, je suis opérationnel. T'as gagné le dernier clash de la drague en direct, c'était vendredi, 60-40. T'as gagné. Ouais, et je suis gagnant de la semaine dernière aussi. On peut le préciser. Putain, ouais, là, ça commence à m'inquiéter sérieusement. Là, il y a de la pression à gueule. Veut remobiliser. J'espère que ce soir, ça le fera. Va falloir voter Romano en masse. Rien n'est jamais fait. Tous les votes comptent. Votez Romano. Ouais, bon, faudra voter Cédric. Allez. Alors, Romano ou Cédric. En général, le lundi, c'est un bon jour pour moi. C'est bien, ouais, parce que la semaine dernière, t'as fait 20%, donc effectivement, c'est un bon jour. En effet. Non, mais à part la semaine dernière, mais sur les autres semaines, souvent, lundi, je gagne. Quel bel argument, Cédric. Ah, mais c'est vrai. Mais à part le lundi dernier. Lundi dernier, je fais 20%, trop bien. Tu veux faire 20? Non. Mais les autres lundis. Entendu, Cédric a envie de se faire piner. Mais les autres lundis, je l'ai déglingué, tu vois. Alors, quelle est ta méthode, ta technique de drague aujourd'hui? Bah là, je me suis inspiré un petit peu de la télé, là, parce que j'ai vu tout le week-end, là, ça parlait politique, là, aujourd'hui encore. Donc je vais faire le premier candidat de l'amour. Je vais appeler les familles, je vais leur dire que je suis candidat de l'amour et pour ça il faut que je refasse l'amour. Candidat de l'amour, ok. Mais tu l'avais pas fait gros ça déjà? Ouais, j'ai fait un truc qui ressemblait à ça. Mais il y a vraiment pas longtemps là. Oui. Bah il y a quoi? Si, il y a un petit temps quand même. Bon, c'est pas grave Cédric, l'essentiel est que ça marche. Quelle est ta méthode? Moi c'est la méthode, on en parlait ce matin, c'est les allergies. J'ai une allergie à la teub, elle est toute gonflée. À la teub. Rien ne dégonfle pas, c'est ça? Ah ouais, donc il va falloir que je me fasse ausculter par les familles. Et pourtant elle est toute petite. Eh ben c'est parti. Viens la voir. Premier coup de fil. Pour toi Cédric. Allez vas-y Frédéric. Premier coup de fil. On y va. Vas-y Cédric. Allez Frédéric. Vas-y Cédric pour Frédéric alors. Allez. Très bien. Le candidat de l'amour, c'est ça. Eh ouais, le beau gosse. Allô. Allô Frédéric. Ouais. Bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Bah je me présente, je m'appelle Michel et je suis premier candidat de l'amour. Et je t'appelle... Oh, la belle, on va pouvoir baiser ensemble alors. Ah bah si tu veux, ouais, on va pouvoir faire l'amour ensemble. Oh, c'est magnifique. Et ta femme, elle est là ou pas? Ah ouais, ma femme, je suis en train de la baiser comme une chienne là. Ah bah écoute, ça tombe bien. Tiens, là t'es en train de travailler le terrain, puis je vais venir et puis je vais m'occuper d'elle aussi quoi. Ah ouais, mais t'es un trop petit bite, désolé, ça va. Ah non, gros, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment on fait. Tu vois, je vais t'expliquer comment on fait et après t'essaieras de faire comme moi, tu vois. Bah non, tu peux pas mon petit gars, désolé. Oh. Et si t'y arrives pas, je te ferai l'amour à toi, d'accord? Oh, bah ça me tente ça. Ouais, y'a pas de soucis. Bah pas de soucis. J'attends les jambes bien écartées. Ah bah écoute, écarte-toi ça bien, va te laver un petit peu les fesses et puis j'arrive. Ah bah non, pas besoin, hein. J'attends bien ça. Est-ce que ça va glisser au moins? Ah non, ça glisse pas, non, bien au contraire. Bon bah écoute, je vais te faire glisser tout ça moi, t'inquiète. Et après, est-ce que tu vas t'occuper de moi un petit peu? Non, ça. C'est pas possible, désolé. Bon, bah écoute, je m'occuperai de toi bien. J'ai compris ce que tu es, toi. Tu es un petit peu genre. Tu aimes recevoir, en fait. Ah, voilà, tout à fait. Bah, pas de soucis, j'arrive, je vais te faire l'amour, je vais te faire transpirer. Et puis après, quand tu seras fatigué, je m'occuperai de ta femme. Non, désolé, mais ma femme, elle pourra pas. Ah, t'es jaloux, en fait, hein. Tu veux que je m'occupe que non, de toi, en fait. Non, c'est pas que je suis jaloux, c'est que. Elle peut pas, désolé, elle met que des gros bites. Et ton petit bite, ça passera pas. Voilà. D'accord, bon, bah très bien. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je m'occuperai de toi, puis c'est pas grave, elle regardera, d'accord? Bah non, on va pas regarder, on va avoir une petite horreur se voir comme ça, c'est pas bon hein. Bah t'inquiète pas, toi tu vas aimer mon chéri. Ah non, pas du tout, je crois pas. Bah il y a deux secondes tu me dis que j'ai envie que je te fasse l'amour, donc il faudrait savoir. Fais gaffe Cédric, parce que je vais finir, tu vas serrer plus personne. Bon bah écoute, j'arrive et je m'occupe de tes fesses, d'accord? Et c'est qui au fait? Bah je te dis, je m'appelle Michel.
Ah ouais, et Michel de Skyrock, non ? Oh merde ! Ah, Cédric ! Pep, non, il m'a, au début, il n'y avait pas de galère. Hein. Ah, moi, je le savais dès le début, il m'a dit, il m'a dit, ton ventre. D'après toi, il a été découvert dès le début. Tu l'as découvert dès le début, non ? En tout cas, tu as été bien vulgaire comme j'aime. Ah, t'écoutes tous les jours, voilà. Tous les jours, je vous écoute, donc je connais vos conneries. Ah bah super, Frédéric. Ah bah écoute, Fred. Je marche un petit peu dans le jeu, quoi, parce que je connais toutes les conneries. Bon bah Fred, c'est bon alors, je vais venir te faire l'amour, alors, d'accord ? Bah y'a pas de soucis. Bon bah prépare-toi, mon chéri, j'arrive. Bon, bah ne quitte pas Fred, on va te reprendre. A tout de suite, okay, Fred, je viens de faire l'amour. Salut Fred, ouais. À tout de suite. Bon, bah j'ai serré. Hein. Ah, bon, alors, je sais pas, vous jugerez vous-même. Bon, en tout cas, Cédric, il y avait une relation, mais avec un seul homme. Bah, avec Fred, c'est ouais, pas mal. Parce qu'a priori, il n'y avait pas moyen. Un seul homme. Il n'y avait pas moyen que tu touches sa femme, quoi. Ouais, mais alors... je l'ai serré lui déjà, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Bon, vous en jugerez par vous-même. Romano, je te sens dubitatif. Non, non, mais bon, moi je me concentre. En ce moment, je n'ai pas de quoi juger les prestations des autres. Alors, concentre-toi bien. Merci. Tu te concentre-toi. Merci pour l'adversaire. Je suis concentré là. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, t'es trop excusez-moi, concentré. Ouais, là c'est trop de pression. Trop de pression. Ligne numéro 7 pour toi, c'est parti. Et ta méthode, tu nous la rappelles ? Alors, j'ai une allergie au sexe. Oui, il est tout gonflé, tout dur tout le temps, c'est ça ? Ah ouais. Tu vas demander aux familles de t'aider. Bah, j'espère bien, ouais. C'est qui là ? Thierry. Bon, on appelle Thierry pour toi. Bonne chance, Romano. Oui, allô ? Ouais, bonsoir Thierry. Ouais. Ouais, comment tu vas ? C'est Jean-Louis à l'appareil, un voisin. Dis donc, j'aurais besoin d'un petit service là ce soir là. Je peux te demander ? Jean-Louis, un voisin. Ouais. Qui est Jean-Louis ? Là, j'habite au bout de la rue là. Moi, je t'ai déjà croisé avec ta femme des fois. On se fait signe. Je vois pas, écoute, vas-y, je t'explique en gros là. En fait, je t'explique. Je sais pas ce que j'ai là depuis ce matin. J'ai le sexe, il est gonflé. J'arrive pas à le dégonfler. Donc je voudrais. Bah, tu fais comme toi, tu t'as qu'à te brûler un bon coup et puis tu verras bien. Hein. Bah écoute, je pensais que tu pourrais le faire. Oh merde. Ah putain. Ah, tu voulais qu'il te branle. Bah au moins, ouais, ça aurait été le minimum. Quoi. Loupé. Ouais, bah ça a loupé là, oui, ça c'est clair. Bon, il y aura trois. Ah bah là, totalement loupé là. Il reste deux. Un pour toi Cédric, et on y va tout de suite. Allez. Un pour toi Romano, un autre après pour toi Cédric, un autre après pour toi Romano. Voilà, deux chacun, ouais. Et vous reste de chacun. Ouais, c'est ça, ouais. Le compte est bon, bravo Cédric. Ah pour l'instant, ça va, ça se passe quoi. T'es content ? Bah gros, j'ai serré, lui il a rien serré, il va se branler, tu vois, donc... Ah, écoute, tu veux que je le fasse là ? Allô ? Oui, allô ? Ouais, Philippe ? Oui ? Bonsoir, comment vas-tu ? Je vais bien. Ouais, tranquille, dis-moi. Je t'appelle, je veux savoir, est-ce que je pouvais passer te voir ce soir à la maison ? T'es qui ? Bah, je suis Michel, le premier candidat de l'amour, en fait. J'ouvre un nouveau parti politique et j'aimerais faire l'amour un petit peu à tous mes électeurs, quoi, tu vois. Allô ? Oui. Oui, ben, je voulais venir te voir toi et ta femme ce soir pour commencer, tu vois, mon premier tour de France. Ouais. Et je peux venir te faire l'amour ou pas alors ? Au moins ta femme quoi. Histoire que tu prennes une petite leçon. Ouais, tout à fait, ouais, pourquoi ? Ouais, pas de soucis ? Non, y'a pas de soucis, viens, je suis là, je suis moi. Oh bah ok, ben prépare-toi, écoute, j'arrive, je vais venir te faire l'amour à toi, puis après je m'occuperai de ta femme. D'accord, y'a pas de soucis. Si tu veux, je commence par ta femme, tu regardes, et après je m'occupe de toi, et si tu arrives, tu t'occupes de moi, d'accord ? D'accord, y'a aucun problème. Moi, je vais m'occuper de toi, d'accord. Ah bah écoute, tu vas t'occuper de mes petites fesses, y'a pas de souci. D'accord, je suis là, hein. J'attends. Avec plaisir, mon chéri. Ben prépare-toi, d'accord ? D'accord. Allez, préviens ta femme, j'arrive. D'accord. Allez, bisous, mon amour, j'arrive. Je suis là dans 5-10 minutes. Wow. D'accord, je suis là, t'inquiète. Allez, bisous. Bisous de Michel. À tout de suite. Bravo, Cédric. Putain, mais c'est pas vrai. Vraiment, c'est la gueule et le doublé. Ah, bravo, putain, j'ai. Alors, vous avez beau dire, regarde, Cédric a toujours les mêmes techniques, message de Krisk, ou alors Callaghan qui dit, tu as fait cette technique il n'y a même pas un mois, c'est lamentable. Eh bien, moi, je dis que l'important est d'avoir une technique qui marche. Merci, monsieur l'arbitre. Putain, moi, j'aimerais bien que ça marche un jour. Bravo, Cédric. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Attendez avant de voter. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir voter. Ouais, il va falloir voter. Putain, je vais avoir besoin de vous, là, je crois. Bon, alors, vas-y, envoie la sauce. Hein. Il reste deux coups de fil. Rien n'est fait encore. Alors, avant. Oui, deux coups de fil, c'est vrai. Oui. Ah, ouais. Avant de voter, deux coups de fil, il peut s'en passer des choses. Dans un clash de la dragon n'est jamais au bout de nos surprises. Alors, c'est qui, là ? Patrick. Oui, absolument, oui. Putain, si seulement ça pouvait être un mec comme lui. Oui, bonjour, c'est Patrick. Vas-y, oui. Tu veux que je t'encule ? Non, ça va aller, là, pour le moment. Vas-y, hey. Vas-y, bien à fond, même, là. Vas-y, bien à fond, là. Ouais, vas-y. Vas-y. Oui, un bon pas, Patrick. Bonjour. On a Christopher. Christopher. Voilà, puisque Patrick ne répond pas. Désolé Patrick, tu n'as pas répondu. Absolument, oui. Eh ben oui, j'ai bien vu que tu n'as pas répondu, Patrick. T'es bien triste. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de bander, là. Ah, tu bandes, d'accord, ok. Bon, Christopher, lui, il faudrait qu'il vienne au téléphone, là. Bon, on va laisser tomber Christopher, on va passer à qui, alors ? Les dernières sonneries pour Christopher. Allez, c'est qui ? Allez. Didier. Allez, c'est parti, chérie. Allez, Didi. Didi, tu vas l'appeler. Allez, là, je vais l'appeler Didier. Didier. Allô ?
Allô, allô. Ouais. Ça va, Romano? Comment? Ça va, Romano? Bah, ça va et toi? Non, mais c'est pas possible. C'est, on ne peut plus le faire. Il va falloir qu'on fasse les clashs de la drague à l'étranger maintenant. Bon, bah écoute. En même temps, t'es con, tu viens d'appeler mon frère. Ah non, mais c'est okay. Pas moi qui fais les numéros. Ah bah c'est con. Ouais, c'est vrai que là, sur le coup, ils ont... C'est un coup de pas de bol. Sur le coup, on a été un peu con. Ah, si j'ai bien compté, on traîne dans le quartier, là, pour l'instant. Hein. Bah là... Ah, t'as raccroché, pourquoi t'as raccroché? Ah bah, fallait pas raccrocher, on allait te filer un cadeau. Ouais, c'est le numéro, là. Bon, on va te rappeler, on va te filer un cadeau aussi. Alors là, on appelle la sœur. Oui, donc alors, attention, on traîne dans le quartier de Frédéric et... C'était Didier? Ouais. De Didier. De Frédéric et Didier. Je vous dis pas où c'est, hein, parce que bon. Allez, on relance la machine. Allez, bah c'est reparti. Moi, j'attends mon deuxième coup de fil. On change de ville. Moi, si tu tombes sur le cousin. Voilà, on change de ville. Le ouais. Tonton, là. C'est Franck. Si ça continue, on va être obligé de les faire en Belgique, les clashs de la drague, ouais, tranquille. Franck. Allô? Oui. Ouais, Franck. Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? C'est qui à l'appareil? C'est Jean-Louis à l'appareil. Dis voir, là, je t'appelais, je suis un voisin, je t'explique, j'habite dans le quartier, là. Je t'appelais pour avoir un petit service, là. Je peux te demander? Entre voisins, on peut se dépanner, quand même. Ouais, bon, ça suffit. Ah, ça suffit, bah attends, je t'ai encore rien dit, là. Bon, c'est Franck, oh, putain. Comme les gens sont désagréables. Putain, mais ouais, surtout avec moi, ouais. Oh. Putain de merde. C'est vrai. Eh bien, il reste un coup de fil. Ouais. Putain, là, je sais pas ce qui va se passer, mais... Un coup de fil chacun, il va falloir faire très fort, Romano. Bah ouais, bah, putain, là, j'ai pas de chance. Fait tripler, là. Très fort dans ton coup de fil, ou alors dans ta déclaration, ouais, parce que ta déclaration peut tout faire basculer. Ouais, bah putain, ouais, oui. Un appel aux fans, par exemple, peut tout faire basculer. Ouais, mais ouais, putain, je vais avoir besoin de vous le savez. Hein. Eh bah, tu vas faire appel à tes amours. Bah, j'espère que mes amours sont présents ce soir. Ils sont là, regarde. Dans la difficulté. Laisse des messages, regarde. Vive Romano, votez Romain Mono, même si t'es trop nul. Je t'aime, c'est un très très beau message. Non mais attends, John. C'est pas fini, il reste un coup de fil, on sait jamais, il reste un coup de fil. Alors, on y va? Ah bah allez, pour le troisième tour. Hein. Dernier tour. Bonjour madame, bonjour. Elle est très gentille. Ah c'est la dame des CFR qui vient nous dire bonjour. Bonjour madame, nous vous saluons. Elle est gentille. C'est gentil, hein. Bonjour. Bon, Cédric, ligne numéro 8. Allez, vas-y. Pascal. Et Pascal, pour toi. Dernier coup de fil, attention. Et après... Est-ce que je vais faire le triplé? À vous de décider. Ah, moi j'espère pas, moi. Ah, pour l'instant, je suis un doublé, ma gueule. Quoi, doublé, le premier, t'as reconnu, gros. Ah, bah, j'ai quand même serré, hein. Il y a Caro qui dit, t'as rien serré, c'est un auditeur de Sky. Pff, trop du cul, c'est Romano qui le fait. Merci, Caro. Tu redirais, hein. Non, mais moi j'ai rien dit, moi, Cédric. Ouais. Non, mais tu sois pas parrain. Non, mais je réponds au message. C'est qui, là? J'ai dit à vous de juger. Qui que c'est? C'est qui, t'as dit? Pascal. Allô? C'est Christophe. Ouais, Christophe. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais très bien, ouais. Toi aussi? Ouais, tranquille. Dis-moi, tu fais quoi de beau ce soir? Comme toi, au téléphone. Bah ouais, moi aussi, je suis au téléphone avec toi, tranquille. Je voulais savoir, ça te dérange pas, je viens de te voir ce soir? Si, bon allez, à bientôt. Non, mais je peux venir te voir, attends, allô? Voilà. Attends, ah, quand même. Quand même, tu t'es viandé, quoi. Bon, il était rapide, bah, moi, un peu comme le tien avant. Tiens, moi ça, quoi. Je trouve le sourire, Cédric, c'est vautré. Putain. Bon, bah, c'est maintenant ton avenir qui est entre tes mains. Allez, ouais, putain, là, c'est je joue mon destin. Tes toutes petites mains sont toutes petites. Tu as ton avenir dedans. Allez. Avec ce coup de fil. Il est pas bien gros, quoi. Qui ton avenir? Ouais, avec la taille de mes mains. Alors, c'est qui? À toi de te faire basculer dans ce clash de la drague. Bon, Jérémy, après. Allez, j'ai... Un I. Jérémy. Allô? Ouais, bonsoir, c'est Jérémy? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Un voisin, là. D'Ivoire, j'ai un petit service à te demander, là. Putain, je sais pas, j'ai dû me faire piquer par une bestiole, j'ai le sexe, il est tout gonflé, là. Donc je voulais savoir si je pouvais venir te le montrer pour que tu t'en occupes un peu. Ouais, bien sûr. Je vais venir, là. Ou ta femme, ici, t'as une bonne femme. Aïe, c'est pas vrai, ça. Bon, bah, tout repose sur ta déclaration, maintenant. J'ai même plus envie de déclarer. Mais si, il faut déclarer, au contraire. Putain, qu'est-ce que tu déclares? Bah, tu dis, si vous m'aimez, je vous aime. Tu dis mes amours. Ça, je vais le dire, évidemment. Fort, tu dis, je lance mon appli gratuite spécialement pour vous, mes amours. Non, mais bon, je vais me servir de ça, mais je suis pas sûr que ça suffise. Allô, monsieur l'arbitre, là. Non, mais je donne des conseils. Je suis. Putain, mais Cédric sort de mon corps, quoi. Bon, ta déclaration, Cédric. Allez, vas-y, ma gueule. Tu as aussi droit à ta déclaration, c'est parti.
Alors moi ce soir, je suis partisan de l'amour. Donc venez, on fait tous l'amour ensemble. On vote Cédric, C-E-D-R-I-C. Moi j'ai fait un doublé. Le premier, Frédéric, auditeur de Sky, je l'ai serré. Il voulait pas cher sa femme, mais il voulait quand même que je m'occupe de lui. Donc ça, c'était le premier appel. Et après, j'ai confirmé avec Philippe. Philippe, il